très proche. Hein. Schumacher ne va pas dépasser Barrichello, je vous le garantis. Bien étonné. Alors voilà. Ouais. C'est pas vrai. Pierre, écoutez un petit peu cette révolution en salle de presse, ça hurle, ça siffle. Je comprends. C'est scandaleux. Il y a des gens, les Italiens sont en train de taper sur les tables. Je parle des Italiens, messieurs. Je pense qu'on peut se faire l'écho même de la plupart de nos téléspectateurs. C'est une véritable révolution, c'est un tollé de protestation. Et on se retrouve à Monaco, merci. Les amateurs de fin. Ok, allons-y tout de suite à la pause et on sera de retour dans quelques instants pour le podium. La prestance à l'intérieur de son écurie. Dieu, non, quitte à avoir une discussion. Quitte à avoir une discussion avec Jean Todt par la suite. Incroyable. Bon, et bien, il ne faut pas oublier que Montoya, lui, termine troisième. Alors, sa stratégie, son pari aura été finalement correct, Bertrand Montoya. Il est resté devant Ralph.